bien. Monica, fais tourner la roue en première. Non. Je ne veux pas de cactus. Je ne serai pas contre un peu de crème, cependant. Tu ne peux pas faire ça. Un cactus, c'est un cactus. Pas de chance pour toi. Mais t'inquiète pas, ça signifie que j'aurai de la chance, moi. Et tu seras heureuse pour moi. On verra ça. Bon, je te l'avais dit. Rien n'a meilleur goût qu'un chewing-gum de Babouba. Surtout quand il y a tout un tas. J'ai hâte de le sortir de leur boîte et de les coller sur le gâteau. Je pense que ce sera quelque chose de très très bon. Awesome! Jusqu'à présent, je reçois le gâteau le plus coloré que j'ai jamais vu. Mais il y en a d'autres à venir. Et je peux faire un cœur avec les restes de chewing-gum pour rendre mon gâteau encore plus joli. C'est beau ça. Monica, t'aimes bien? Je pense que c'est très mignon. Il est temps de l'essayer. Oh oui, c'est incroyablement bon. C'est le genre de gâteau que je veux manger d'un seul coup. Je peux au moins essayer le cœur. Non, je veux aussi le manger moi-même. Tu veux voir la plus grande bulle de ta vie? Tu ne voulais pas partager avec moi? Elle ne veut pas voir ta bulle. Prends ça. Oh, comment tu oses? Mon visage est tout coulant maintenant. Arrête de rire. Tu ferais mieux de manger ton gâteau de cactus. Mais comment je disais, c'est le manger? Le cactus est si piquant. C'est vrai. Si tu te débarrasses des aiguilles, le cactus ne causera pas non plus des gras problèmes. Mais les coupes-ongles ne suffiront pas. Et celles-ci sont trop grandes. Je pense que les parties comme ça seraient parfaites. Oh, c'est ennuyeux, ça. Et c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Refaire un cactus sur mon gâteau. Oh, je suis là. Regarde ce que j'ai inventé. C'est très mignon, ça. Assez parlé, c'est l'heure de manger. J'espère qu'il a aussi bon goût qu'il en a l'air. Oh non. Non, c'est quoi manger un gâteau parfumé à l'herbe? Dégueulasse. Bon appétit. Je vais d'abord faire tourner là-haut. Vous vous moquez de moi? Je déteste les moules. Pourquoi je suis si malchanceuse? Parce que je suis la chanceuse. Et j'ai la crème fouettée. Je suis en train de le verser sur le gâteau pour le rendre encore plus savoureux qu'il ne l'est déjà. La clé est de bien le fouetter. C'est fait. Maintenant, tu peux le manger. Père Noël, qu'est-ce que tu fais ici? Le réveillon du nouvel an est encore loin. C'est drôle, et je suis jalouse de moi. J'ai un tout autre gâteau à rosé de crème sucrée. Je ne serai pas contre l'un d'entre eux. Il y a un gâteau qui t'attend aussi, vraiment, avec des moules. Ils sont si dégoûtants. Ah, si raide. Eh bien, j'ai perdu une dent à cause de... Je ne les toucherai plus jamais après ça. Non, je ne sais pas du tout comment les bien manger. T'as pas besoin de manger des coquillages. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Regarde. Et maintenant, c'est exactement ce que tu dois mettre sur ton gâteau. Horrible, je dois manger tout ça, bien sûr. Gross. Non, mais comment je peux faire ça? Comment je peux ruiner un gâteau si délicieux? Je vomis rien qu'en le regardant. Et je suis sur le point de vraiment vomir. Waouh! Oh, une énorme perle. Non, arrête, tu dis. C'est moi qui ai ouvert les moules, alors c'est à moi. Donne-moi ça, c'est à moi. La perle est à moi. Oh non. Ah, c'est où, là?
Il faut la trouver. Oh. Pourquoi toi? Elle est à moi. Non, mais il n'y a rien. Vraiment rien. C'est vide. Apparemment, on nous a rampé dans les moules et le gâteau pour rien. Cette fois-ci, c'est à mon tour de faire tourner la voix en première. Non, c'est à moi. Oui, je rêvais d'avoir quelque chose comme ça. Et bon, on jouait le gâteau avec de nouvelles stalleurs. Et ça fait des tresses amusantes. C'est pas vraiment drôle. Hein? Voyons ce que j'aurai moi. Cette fois-ci, je vais prendre beaucoup de nouilles. Oui. Et tu vas décorer le gâteau avec ça? Qu'est-ce que t'attends? Ok. Bon. Je n'aurai rien à faire. C'est fait. Je n'ai jamais goûté une combinaison de saveurs aussi étrange auparavant. Oh non! Oui. C'est horrible. Quel croustillant dégoûtant. Nous devons bientôt nous boucher les oreilles. Bingo! J'ai une idée. Si je verse de l'eau bouillante sur mon gâteau, les noeuds seront beaucoup plus souples et plus jolies. Wow, magnifique! Maintenant, j'ai un bon plan à manger pour le déjeuner. J'aime bien. Pendant que Monica s'étouffe avec les nouilles qui est collée au gâteau, j'avais décoré mon gâteau avec des marshmallows. Awesome! Wow, je comprends. Could you please... Monica n'aurait même pas. T'as dit que t'allais déjeuner, alors prends tout le déjeuner. Je pense que Suzy ne sert à pas penser si j'en prends un peu une tresse. Nous avons pas un dîner. Hé, arrête! Aïe! Qu'est-ce que t'as fait? Non mais n'importe quoi, j'ai été blessée. C'était tellement drôle. Vas-y, décidons sur pierre, papier, ciseaux. Oui, j'ai gagné. Du piment? Non, Monica, tu m'as contaminée avec de la malchance. Quelle horreur! J'espère que j'aurai de la chance au moins cette fois-ci. Oh, oui. Enfin! Je suis tellement heureuse! J'ai mangé mon gâteau! Oh, j'ai hâte de le décorer avec ses délicieux yeux de marmelade! Oui! Il faut tout sortir sur le gâteau! Génial! Awesome! Wow! Oui, ça va être très très bon. Non, Suzy, je ne vais pas te nourrir. Je préférerais manger tout ça. Ouais. Oh oui, c'est délicieux ça. Monica, tu crois que je ne peux pas avoir un moins un oeil? Oh oui, Radine. Oh, depuis combien de temps j'attends cela? J'ai enfin mangé mon gâteau. Oh, quelle vitesse! C'est le dernier œil de marmelade que j'ai mangé d'une manière inhabituelle. Ah, ça n'a pas marché du tout. Mais je vais le faire. Oh, c'est vraiment bon ça. Voleuse, il est temps pour toi de manger tes piments. Oh, j'ai même peur de les regarder. J'espère que je ne vais pas brûler de l'intérieur. Je vais t'aider, moi. Voilà le couteau. Et dépêche-toi de couper ce monstre. Eh bien, c'est parti. Oh, j'ai pris une seule bouchée. Je peux déjà sentir le feu se répandre tout de suite. Oh, ce n'est pas suffisant. Le gâteau doit être terminé. Je ne savais pas que t'étais si cruel. Oh non! Oh, le feu, c'est trop. C'est le moment de sauver Suzy. Oh, c'est beaucoup plus facile. Merci, Monica. J'ai l'impression que nous sommes sur le point d'avoir un vrai repas. Oh, regardez, quelle énorme boîte de Skittles! Oh. On peut déjà goûter ça? Ah, regardons les cartes pour commencer. Oh, je serai la plus lente.
et je serai la plus rapide. Vitesse moyenne, okay. J'aime ça. Ne perdons pas de temps, je m'y mets. Je pense que c'est trop rapide, même pour moi. J'ai trouvé, je sais comment manger facilement tous les bonbons en quelques secondes. Nous devons les coder par la couleur. Oh, cool. Oui, t'as bien fait. Merci. J'avais raison, manger à travers une paille est bien plus pratique. Waouh, ma langue est toute jaune. C'est bon. Et va bientôt changer de couleur de toute façon. Montre-moi. Oh, c'est très intéressant. C'est vraiment le cas. Ta langue est verte. Ça ne sera pas long. Je pense que ça sera violet à la fin. Oh, waouh! Il est multicolore. Je ne m'attendais pas à cela. Si t'as terminé, il est temps pour moi de m'y mettre. Oh oui, tu n'aurais pas dû planter les bonbons. Vas-y, laisse-moi t'aider. T'ouvre la bouche et moi, je vais jeter des Skittles. Jennifer, comme moi, tu ne peux pas te vanter d'être douée au tir. Tous les bonbons sont à travers. Allez, mais c'est amusant. Mais je m'amuserai bien avec toi. Mais je dois manger. Wow, il n'y a plus de bonbons. Je n'ai pas remarqué. Oh, à cause de toi, je n'ai pas pu les essayer. Et j'ai encore le moment. J'ai mis le premier bonbon dans ma mouche. Ah, je t'en supplie, dépêche-toi. Oh, il y a pourtant moyen d'éviter cela. J'ai compris. Tu veux que nous aidions Mia? C'est une excellente idée. Nous sommes une vraie équipe. En fait, je vous n'ai pas demandé de m'aider. Ce sont mes bonbons. Kate, dépêche-toi. Mia veut couper nos pailles. C'est fait. Je ne peux pas vous laisser voler mes bonbons. Je vais les manger moi-même. Pas du tout, c'est trop tard. Oh non, j'ai pas eu le temps. Nous ne pouvons passer à un autre tour. Je me demande ce qui nous attend cette fois-ci. Nutella, c'est une belle surprise. Dépêchez-vous. Oh, je n'ai pas d'autre endroit où me presser. Voyons ce que j'ai, moi. Cool, je serai la plus rapide. J'ai obtenu le rythme moyen. Perdante. J'ai eu la meilleure chance aujourd'hui. Pauvre Kate, elle va passer un moment difficile. C'est bon, elle s'en remettra. En fait, j'ai déjà commencé, mais je suis gênée par l'emballage. J'espère que mes ongles pointus pourront le faire. Super! Je peux enfin manger la pâte de chocolat. Comme c'est doux. Je te regarde bien et ça me donne de l'appétit. Tu ne peux pas rester indifférent à la pâte de chocolat. Il est temps pour moi d'accélérer le rythme. Je vais prendre plus de pâtes. Oh, ça n'a pas l'air très joli. Je m'en fiche. L'important, c'est que j'aime ça. Je n'ai jamais mangé autant de Nutella d'un coup. C'est un vrai paradis. Tu as déjà la pâte partout sur tes mains. Il faut que tu te laves un peu plus tard. J'ai mieux à faire maintenant. Tu te comportes comme une sale fille. Je ne peux pas regarder ça. Alors ne regarde pas. Arrête de me distraire, Jennifer. Tu ne vois pas que je suis occupée? Je suis aussi occupée. Et une fois que j'ouvre ma pâte au chocolat, il s'avère que c'est très délicat. Oh, il y a tellement de Nutella. Non, il faut lécher tout. Oh, c'est vide le pot. Je vais finir ce qui reste. Et ça ne sera plus très long maintenant. J'espère que tout sera bientôt terminé. Réjouis-toi, Jennifer. Ton heure est enfin arrivée. Cela fait longtemps que j'attends cela. J'ai hâte d'avoir du chocolat. Je suis tellement heureuse pour toi. Mais ça serait mieux si tu me donnais le Nutella. Pas du tout. T'as déjà mangé ta portion. Maintenant, c'est mon tour. Cool. Ça se déverse directement dans ma bouche. Je n'ai même pas besoin d'une cuillère. Et si tu changerais d'avis et tu partagerais après tout? Alors, je vais devoir utiliser mon plan de secours. Je mangerai la pâte quand personne ne regardera. What? Je ne comprends pas pourquoi la pâte ne coule pas. J'étais en train de le faire. Oh non! Elle n'a rien compris, c'est l'occasion de répéter mon exploit. Super! Awesome. Oh non, pas une goutte! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de me concentrer. Miam! J'ai tout compris. C'est à cause des miens.
C'est bon, je vais l'apprendre. Je pense que je vais essayer à nouveau. Moi aussi. Oh, ça fait tellement mal. Je t'ai démasqué il y a longtemps, Mia. T'as eu ce que tu méritais. C'est ça, j'ai fini avec ma patte. Alors, il ne reste que moi. Mais je suis pas pressée, je suis pas pressée du tout. Je vais ouvrir le pot. Ma patience est sur le point d'éclater. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Merci de m'avoir aidé, Mia. Mais ne sois pas si nerveuse, détends-toi. J'espère que je peux m'en sortir toute seule. J'ai bien peur que non. Laisse-moi t'aider à nouveau. C'est ça, c'est prêt, s'il te plaît, qui te mange. Bon, t'es gentil, Mia. Un véritable ami. Merci encore. Grâce à toi, je peux goûter ma pâte de chocolat. Peut-être que je devrais le faire pour elle aussi. Je peux définitivement le faire. Les pâtes sont si proches. Jennifer, réveille-toi. Je ne peux pas rester assise plus longtemps. Oh, je peux déjà sentir le chocolat. Alors, comment ça se passe, Kate? T'as enfin goûté le Nutella. Jennifer, retournons-y. C'était délicieux. Merci d'avoir attendu. Où est notre nourriture? Je veux de la crème glacée. Oh, quel grand saut! J'adore! J'ai hâte de voir les cartes. Oh non! Je vais tisser comme une tortue. Et je peux appuyer sur l'accélérateur. La vitesse moyenne, pas mauvaise. Prenons un bon rafraîchissement. Jennifer, tu peux te dépêcher et libérer ça. J'en ai besoin aussi. Oui, bien sûr, donne-moi un peu de temps. Qu'est-ce que tu as fait, Mia? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais manger ma glace avant qu'elle ne fonde. Oh non, je n'arrive pas à sortir. Oui, j'ai réussi. On dirait un popsicle géant. Mais sans le chocolat. Ouais, génial. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Mia? Je vais bien. C'est un peu froid ici. Mais la situation est sous contrôle. D'une certaine façon, j'en suis pas si sûre. Oh non, Mia est complètement gelée. Non, mais qu'est-ce que tu veux, Jennifer? Tu veux vraiment utiliser un brûleur? C'est trop dangereux. Je préfère utiliser un sèche-cheveux. Come on! Oh, je peux à nouveau bouger. Ne t'arrête pas, Kate. Oh, merci beaucoup. Il s'avère que mon brûleur à gaz n'est plus nécessaire. Tout à fait juste. Vas-y, rangeons-la. Puisque ça s'est bien terminé, je peux goûter ma glace. En plus, j'ai déjà un plan spécial. Je vais me faire un cône. Ça va être plus joli. Vous allez voir. Super! Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon moi-même. Wow! Quelle énorme crème glacée que t'as faite! Incroyable! Et pourquoi tu m'as frappé, Kate? Probablement parce que tu voulais manger son cône. Je ne refuserai pas. Désolée, Mia, mais le cône est à moi. Je l'ai fait à l'heure, je le mangerai aussi. C'est délicieux. J'adore. Quelle que soit la façon dont tu lèches, c'est magnifique. Je ne doute pas une seconde que ce soit le cas. Oh non, pas ça! Ma corne est sur le point de tomber. C'est triste, ne te sens pas mal, Kate. Des choses arrivent. Eh bien voilà, je suis la seule qui reste. Oh non, ma crème glacée est complètement fondue. Oh mon Dieu! Bingo! Bon, le côté positif, c'est que maintenant, je peux le boire. Attention, attention, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire attention. Elle a mouillé tous ses vêtements. Oui, mais c'était délicieux. L'infirmière, elle vient? Je pense pas. Alors, il est temps de grignoter quelque chose de délicieux. Quoi? Je peux trouver où les friandises? Je n'irai pas à l'hôpital sans eux. Mais qui va entrer là-dedans? Non, il faut cacher ça. Mais où je vais mettre quoi ça? Sous mon plâtre. Eh bien, bien, mademoiselle Tina, vous avez besoin de repos et vous sautez partout. Qu'est-ce que vous cachez sous votre couverture? Alors, pourquoi vous avez du chocolat sur vos lèvres? Ouvrez. Ah ouais! Tina, nous n'autorisons pas les sucreries à l'hôpital.
Je prends tout. Attendez, non. Vous laissez où une friandise? Oh non. Quoique, attendez. J'ai un truc caché que l'infirmière n'a pas trouvé. J'ai droit à un coup d'œil. Oh, ça sent si bon. C'est exactement ce qui me manquait. Oh, c'est le problème qui doit être résolu et je sais comment. Je vais envoyer un message à mon frère pour lui dire que j'ai besoin d'un coup de main. C'est qui m'a envoyé un message? Oh, c'est ma sœur de l'hôpital. Waouh, elle n'a plus de bonbons. C'est affreux, je dois l'aider tout de suite. Je vais chercher toutes les friandises préférées de ma sœur, ensuite nous irons à l'hôpital. Si seulement l'infirmière laissait... Nous devrions essayer de passer à travers. Peut-être qu'il ne remarquera pas. Et du calme, qu'est-ce qui se passe? N'autorisons pas les sucreries. Ou alors... Oh, bonjour. Vous m'avez donné une idée géniale, madame. Sérieusement, elle ne veut même pas regarder la suite. Oh, bon, tout le monde. Alors, il faut tomber enceinte. Alors, comme je suis un garçon, la seule façon de tomber enceinte, c'est avec les friandises de mon sweatshirt. Pour être sûr, il faudrait que je porte une perruque. Moi, je suis une belle blonde. Faisons un peu de rouge à lèvres. Génial. Il ne me reste plus qu'à poser mon sac à dos sous mon sweatshirt et on part chez ma soeur. C'est fait. Oh, voilà, je suis prêt. Oh, c'est la deuxième demande sans dîner. Je peux écouter votre ventre, madame? Oh, nous sommes en train de coucher. Il faut que je joue un médecin. Oui. Oh, pendant mon service, entrez donc. Oh, c'est tellement difficile de courir avec ce ventre. Oh, Tina, bonjour, je suis là pour te voir. Oh, tu me reconnais pas? On se connaît? Oui. Allez, j'avais un super plan. Tina, c'est moi, ton frère Oscar. Tu me reconnais? Génial, je t'ai apporté quelques bonnes choses dans mon ventre. Allez, viens. Je suis la seule voisine de Tina. Partage avec moi, s'il te plaît, je veux aussi des friandises. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Julie? Elle veut aussi une friandise. Bien sûr, nous allons partager avec toi. Oui, mange. Oh, tu peux mettre directement dans ma bouche? Qu'est-ce qui vient vers moi? Oui, rends-les-moi, tu peux continuer. Allez, sors d'ici. Ils ont emmené qui? Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis fait écraser par un train. Je me suis pianté par un éléphant, c'est ça? Mon Dieu, nous devons l'emmener au bloc opératoire tout de suite. Il est si jeune, il a déjà tellement de problèmes de santé. Donnez-moi les bonbons. Qui est le prochain? C'est quoi cette journée? Quoi? C'est mon frère Oscar. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi, il est vivant? Je suis désolée, mais il est dans un doux coma. Comment ça? Un coma sucré? Oh non, mais vous aurez pu trouver quelque chose de plus intéressant. Au cas où je t'ai apporté tellement de friandises, c'était une farce. Mais il ne m'aurait pas laissé entrer sinon. On mange ensemble. Je suis là. C'était une farce de première ordre. C'est vrai, mon frère. Attrape ça, Julie. Oh, désolée. Voilà, Julie, les bonbons, ils sont vraiment bien à la tête. Oh non, mais j'ai déjà dit, tu ne peux pas aller avec des bonbons. Rends-moi tout ici. Ouais. Je suis tellement cool, je prends les bonbons enfants. Ça a toujours été mon rêve. Je les mangerai tous après le travail. Et je suis si belle dans mon uniforme d'infirmière. J'ai toujours rêvé de travailler ici. Où aller donc, infirmière? Alors, j'ai un plan génial pour faire passer des bonbons en douce. Je vais faire semblant d'être infirmière. Voilà. Faut pas oublier la mauvaise tête. Oh, je suis désolée, mais tu peux pas porter ça. Ouais, t'es qui? On ne veut infirmière? En remplaçant? D'accord, je vais aller déjeuner, mais je te surveille, le nouveau. Et puis, on est enfin parti. J'ai besoin de cette boîte de friandises tout de suite. Allons la porter à la sœur. Oh, allez vers mon marmelade. Qui mange des sucreries ici? C'est naturel, mais encore. J'ai tout vu, alors j'ai apporté d'autres friandises. Salut, sœurette! Mon frère, c'était vraiment toi? Donne-moi des friandises, je suis affamée. Et moi aussi, n'oubliez pas que je suis là. Oscar, t'as oublié de dire bonjour à Julie. Bonjour, Julie. Et voilà, on a des friandises. Oh, bonjour. Je savais que les beaux gosses comme toi ne pouvaient pas travailler dans cet hôpital. Sors d'ici. Je ne veux pas le te revoir. Oh, quel mal à la tête, c'est affreux.
La revoilà. Comment j'ai censé faire entrer en tous les friandises, c'est ça. Bonne excuse pour essayer de jouer un rôle de médecin. Je n'ai pas encore choisi de métier, alors je devrais aussi essayer d'être un médecin. La blouse blanche me va bien, j'aurais besoin d'une paire de lunettes pour avoir l'air intelligent et un badge d'identification, une malle et friandise, elle est tout réjouée. Oh, bonjour docteur, j'ai besoin de votre aide, j'ai très mal à la tête. Touchez ici. Aïe. Oh non, engagez pour la douleur. Ouais, ça va, hein. Vous voulez une pilule? D'accord, cherchons quelque chose. Même si je n'ai rien d'autre que des friandises ici. Est-ce que quelque chose passerait pour une pilule? Oh, c'est ça, le Skittles pour l'affaire. Voilà, tenez. Oh, merci docteur. Oh, je crois que c'est bon. Il faut que je sorte d'ici. Et pourquoi la pilule est-elle si sucrée et te rappelle-t-elle les Skittles? Ce sont vraiment des Skittles. Quoi, vraiment? Attendez, je m'en vais. Oh, ce mal de tête fait encore mal. Non, pas de sucrerie. Walder, il faut que je fasse un long des trajets, comme ça passera à coup sûr. Est-ce que j'ai l'air bien? Allons-y. Qui est là? Mon dieu, c'est quoi ce bruit? Oh, c'est qui? Nous devons vérifier si vous avez de bonbons. Ah oui, c'est le jeudi de la Saint-Jean. Bien sûr, messieurs, vous pouvez y aller. Le docteur vous attend. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mais c'est Papy qui a fait tout ça. Eh bien, attendez. Oups, c'est pas moi. Partez d'ici. Oh, j'ai déjà en train de rouler. Je vais t'aider. Oh, tu peux encore marcher. T'as beaucoup de choses avec toi. Oui, c'est une journée difficile aujourd'hui. Oh, c'est de là qu'elle vient cette lumière. Salut bébé, je dois rendre visite à ma soeur. Je suis en tournée. Tu as raté ça? Oh, comment c'est cool. Merci pour la chanson. Quoi? Moi? Chanter? Je ne suis qu'une infirmière ordinaire. Qu'est-ce que je suis censée chanter? Essaye donc. D'accord. La 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 la. Comment c'était? C'est la meilleure que j'ai entendue. Tu mérites vraiment une rose avec ta voix. Je vais me laisser entrer pour toi. J'espère te voir en concert, baby. D'accord, appelez-moi. Au revoir. Non, mais ça m'énerve ce truc. C'est qui ce clown? Je suis un grand amuseur. Et ton prêtre préféré, Oscar. Et voilà, j'ai fait une voix de plus de faire passer en deux de friandises grâce à mes brillantes idées. Et voilà, c'est grosse amateur. Tiens. Oui, des friandises. Je mets un peu de tout. Oui, beaucoup. Tiens ça, chérie. Je m'apprête à vous chanter mon dernier truc sur les chansons délicieuses. La 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 la, chante avec moi. Oh, vas-y, chante. La 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 la. Oh oui, tu sens très bien la musique. On chante tous ensemble. Waouh, les friandises sont cool. Oh, laissez-moi passer. Oh, combien de fois pouvez-vous entrer avec des friandises? Nous avons des panneaux partout qui disent que vous ne pouvez pas. Il faut trouver une chose. J'ai déjà une idée. Oh oui, je vais faire semblant d'avoir un bras cassé. Mais il y aura des bonbons à l'intérieur. Ça va être vraiment génial. Oh, mon bras. Attendez, dis-moi franchement, est-ce que tu manges des bonbons en cachette? Oh mon dieu, je suis désolée. Entrez bien sûr. Merci. Oscar, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal. Je crois que je me le suis cassé. Je ne le sens plus du tout. Oh, je suis désolée, Julie. Pourquoi t'es allongée là? Tu sais quoi, j'ai une surprise pour toi. C'était une farce. Je vais bien juste cacher des bonbons dans mon plâtre. Ouais, je sais que je suis un génie. Dépêche-toi de me donner les bonbons. Oui, mais ce qui t'a préféré. Oui, j'en ai eu aussi. C'est un vrai régal. On est dans un challenge. Et avec des gâteaux. Donc là, c'est moi qui commence. J'ai vraiment hâte de voir quels friandises viendront compléter mon gâteau. Wow, ces trous pourraient tourner sans fin. Mais personne ne m'empêche de l'arrêter moi-même. Pour que les choses restent justes, je vais fermer les yeux. Quoi? Wasabi? Je rêvais tellement que je serais des goodies. Mia, c'est à ton tour de faire tourner la roue.
J'espère au moins avoir de la chance. Waouh! Et s'il y a une flèche entre les deux, cela signifie que j'obtiens rien? J'avais tort! J'ai tout eu! Okay. Et la meilleure partie, je peux décorer le gâteau et le rendre encore plus délicieux. J'adore le Nutella! Mais comment faire pour qu'elle s'étale uniformément sur le gâteau? C'est vrai? Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Je dois demander l'aide d'accessoires de construction. Une spatule devrait m'aider. Ça a l'air délicieux. J'adorerais essayer ce gâteau aussi. Et ce n'est pas tout. Maintenant, tu dois bien étaler le chocolat sur le gâteau avec le rouleau. Maintenant, nous pouvons passer au chocolat. Et maintenant, on peut se débarrasser des emballages et ensuite se mettre au travail. Bingo! Waouh! Waouh! Il est très important de ne pas se tromper dans les dimensions. Il faut donc d'abord mesurer avec un mètre ruban. Tout correspond à une taille parfaite. Maintenant, on peut faire une décoration pour le gâteau. Hey, Kate, qu'est-ce que tu fais? Okay. Pourquoi t'attends là? Ouais. Oh, ça a une odeur forte. Mais je vais prouver que je suis courageuse. Je n'ai pas peur d'un peu de wasabi. Il ne reste plus qu'à répartir le wasabi sur le gâteau. On peut utiliser une spatule pour cela. Je ne pense pas que cela dérangerait Mia. Oh, il y a même des restes de Nutella. C'est fait. Il n'y a pas besoin de laver la spatule. Il y a voilà à rendre à Mia pour qu'elle ajoute du poumon à son gâteau incroyablement délicieux. Bizarre, pourquoi le chocolat est-il vert? On dirait que c'est du wasabi. Kate, non, t'as pas honte de toi? Comment tu oses? Et si tu me frappais dans l'œil? C'est tout. Assez parlé, c'est l'heure de manger. Je pense que Kate a perdu la tête. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, c'est bon pour toi? Il était temps que je mange du gâteau, moi. Quelque chose me dit que ce sera absolument magique. J'avais raison, c'est le gâteau le plus savoureux que j'ai jamais goûté. Je ne peux pas m'arrêter. C'est une véritable bombe de chocolat. Bombe de chocolat? Moi, par contre, je n'ai pas de gâteau, mais un vrai feu. Bon, allons-y. Oh non! Dans ma bouche! Aidez-moi! Il faut plus! Non! Va-t'en! T'as une punition qui t'attend! Ça ne sera pas dur. Ah non, en fait, j'avais tort. Je déteste les œufs! Bien fait pour toi. Tu sauras comment voler, c'est quelque chose de quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que tu doives mettre des œufs dans le gâteau. Tu dois mettre tous ces œufs sur toi. Oh non, je suis toute mouillée. C'est horrible. Ça va être délicieux. Mia, pourquoi tu dors? Ah, c'est vrai. Oui, j'ai les sucettes. Awesome. Et qu'est-ce que j'ai, moi? De la nourriture pour chien? Mais je suis pas du tout un chien. Mais tu dois le manger. Et il y a un baril entier de délicieuses sucreries qui m'attend. Personne n'a jamais goûté de nourriture pour chien. Peut-être que c'est un pétri savant. Seulement, j'ai du mal à ouvrir du tout. Ah, il y a eu vent spécial pendant tout ce temps. Oh non! Oui, rien que l'odeur de cette nourriture me rend malade. Et j'aime beaucoup les sucettes. Si aigre, si savoureux.
Ils ont vraiment leur place sur un gâteau sucré. Ils compléteraient leur saveur. Incroyable. C'est devenu magnifique. Awesome. Essayons. J'adore ce morceau. On peut sentir l'aigreur. J'aime bien. Kate, arrête de me regarder et mange ta nourriture. Non mais si je vais tout mettre, ça va mal se terminer. Oui, en fait, ça suffit. Non, vas-y, mets tout. Mais pourquoi t'es si méchante? T'es heureuse? Maintenant, je mange pas de gâteau, mais un bol de nourriture. J'espère que je vais pas vomir. Oh! Hey, you! Ouah. C'est vraiment dégoûtant! Oh, salut bébé! Tu veux manger quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient le chien? Je suis allergique au chien! Vas-y, sors d'ici! Oh, elle est tellement méchante! Si le chien peut le manger, alors moi aussi! Oh non, en fait, je ne pourrais pas! Pourquoi tu râles? Mes bonbons sont vraiment acides! Même toi, tu aurais dû voir ton visage! Dommage que mon téléphone soit loin! J'aurais pris une photo comme ça. C'est vrai. Pendant que t'es gelée par ton aigreur, je peux donner la nourriture à la personne à qui elle a été affectée. Bébé fille, bon appétit. Le chien est encore là? Kate, t'as encore enfant les règles et tu n'as pas mangé ce qu'on t'a donné? Lors de la rue de punition. Oh non! Ah, peut-être que tu ne devrais pas? D'accord. Bon, tu le feras de toute façon. Oh non! Ça va ruiner le maquillage. Et ça va être amusant. Oh non, j'ai besoin de me laver le visage tout de suite. Je trouve que ça te va très bien. Horrible. Quelle belle table pour la fête. C'est exactement ce que je voulais pour mon anniversaire. Oh, il y a quelqu'un ici. Je vais ouvrir la porte. Je me demande qui c'est. Bonjour, des fleurs pour vous. Quelle beauté. C'est beaucoup de sucreries. Je ne peux pas m'en passer. Wow, il y a même une fontaine à chocolat. Je vais essayer d'y tremper du popcorn et des marshmallows. C'est incroyablement bon. Il faut essayer autre chose tout de suite. J'aime tellement le chocolat. Je mettrai des fleurs dans une vase avant que les invités arrivent. C'est ça? Super. Oui, un biscuit. Jennifer, qu'est-ce que tu crois faire? La fête n'a pas encore commencé et t'as déjà tout mangé. Désolée, Mia, mais je peux pas attendre. Cette fontaine est si délicieuse. Pas du tout. Cette fontaine doit être sur ma table. Oh non! T'as ruiné ma tenue et renversé la fontaine. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Fais attention. Voyons qui est qui. Je suis sûre que je vais te faire dans ce challenge. Je ne pense pas. Je suis déterminée. Je vais être difficile à battre. Les fraises fraîches sont superbes. Eh bien voilà. Tout commence par malchance. Je ne dirai pas ça. J'ai obtenu des fraises savoureuses et mûres. Et le chocolat les rendra encore plus délicieux. Je suis ravie de pouvoir m'en assurer. T'en veux, Mia? Pourquoi tu me taquines, Jennifer? C'est tellement injuste. Je voulais juste taquiner un peu. Les fraises sont à moi et à moi seule. Oh, c'est si juteux. Oui, c'est parfait avec le chocolat. Arrête de lancer. Je n'aime pas ça. Eh oui. Non, mais c'est sorti par accident. J'ai pensé à quelque chose. Tu me taquines encore. Eh non. Je vais juste te montrer quelque chose. Oui, c'est génial, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Et maintenant, ça va être un tour. Je vais attraper toutes les baies couvertes de chocolat. C'est parti, souhaite-moi bonne chance, Mia. Oh non, quelque chose a mal tourné. Tout a mal tourné.
Oh, j'ai reçu du chocolat partout sur moi. J'ai perdu mes fraises. Tu la méritais. C'est ta propre faute. Voyons comment tu t'en sors avec tes piments. Je pense que manger, c'est beaucoup plus difficile que d'attraper des fraises recouvertes de chocolat. Je suis pas sûre d'aimer ça. Mais je n'ai pas à choisir. J'ai entendu dire que parfois le piment est ajouté au chocolat. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment dégoûtant. Mais je peux le supporter. Tu verras. Oh my God. Mia, t'es toute rouge. Parce que je brûle. Oh non, aidez-moi. Je suis en feu. Qu'est-ce que je dois faire? Je panique. Tu aurais pu simplement me donner un verre d'eau. Oh, je dois boire un peu du chocolat. Oh, c'est beaucoup mieux. Et moi? Non, je me sens un peu froissée. J'aimerais me reposer. Non, pas ça. Ça a brûlé mes fraises. Désolée, c'est sorti par accident. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a sous ces couvercles. J'ai des Skittles, je suis heureuse d'avoir aussi ça. Oui, et qu'est-ce que t'as, toi? Découvrons-le. Mon Dieu, c'est du poisson cru. C'est dégoûtant. Ça pue. Alors mange tout de suite. Oh non, c'est la pire chose que j'ai jamais vue. Voyons comment tu gères la situation, si tu peux la gérer du tout. Pas besoin de me piquer dans le nez avec ton poisson. Oui, t'es très gentille. Pourquoi tu me fais peur? Oups! Quelle coup sûr! Vas-y, prends ton poisson. Ok. Oui, t'as raison. Il faut bien terminer cela. Oui, c'est tout. J'ai réussi. Oui, la vue est horrible. Je suis content que ce soit terminé. Il est temps de s'attaquer aux Skittles. J'ai pensé à quelque chose. Il est grand temps que je mette mon plan en exécution. Je peux utiliser une cuillère pour prendre des bonbons et verser du chocolat dessus. Je pense que ça sera très pratique. Que dirais-tu d'une friandise pour moi? Ne te mets pas dans le chemin, Jennifer. Ne, tu vois pas que je suis occupée à mettre mon plan génial en action. Je vais enfin pouvoir essayer les Skittles recouverts de chocolat. Mon Dieu, c'est incroyablement délicieux. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est vrai. Je dois l'essayer aussi. Yummy. Maintenant, remets mes bonbons à leur place. Madine, tu n'as pas un bonbon pour ton ami? Regarde, nous avons laissé tomber les Skittles dans la fontaine. C'est pour le mieux. C'est devenu très bon. Comme c'est bon. Je vais l'essayer après tout. Et non, et encore non, je t'ai déjà dit. Je m'en souviendrai encore. Oui, mettons-nous au travail. Enlevons les couvercles. Quel délicieux burger! Il n'y a pas de limite à mon bonheur. Et toi? Mon gâteau est noir, mais follement beau. Cette crème m'attire tellement. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche plus jamais mon gâteau avec tes mains sales. T'as intérêt à manger ton burger. T'as raison, j'ai quelque chose à faire. Je vais verser du chocolat dessus et faire un essai. Je suis vraiment curieuse de savoir que cela va donner. Je n'ai jamais mangé de burger recouvert de chocolat. Et non, je n'aurais pas dû le faire. Non mais n'importe quoi, c'était clair que c'était pas comestible. Je sais comment réparer cela. Je dois juste manger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Concombre, tomate, laitue, scalope et ce seront mon plat principal. Une brioche recouverte de chocolat sera mon dessert. Ah oui, j'ai presque oublié mon fromage. Il faut aussi le manger avant ça. C'est vraiment bon sans le chocolat. Regarde la viande. J'adore. Au fait, j'ai bien mangé. Et c'est l'heure du dessert. Non mais fini bientôt. Sois patiente un peu, j'ai presque tout mangé. Bon, il reste qu'une brioche. Comme je l'avais prévu, il est temps de lui donner un bain dans la fontaine. Ça sera comme un gâteau ou un sandwich. Ça a l'air et ça sent très bon. Oh, comme c'est bon, mon plan a fonctionné. Oh, je suis si bonne. C'est ça. Oui, je suis si heureuse que tu l'aies terminé. Maintenant, je peux goûter mon gâteau. Mais comment le prendre? Je sais, je dois couper un morceau.
Ça serait tellement plus facile de le plonger dans la fontaine. Je suis plutôt douée. Juste besoin d'accélérer un peu. Viens ici. Il est temps de prendre une douche au chocolat. Je suis sûre que je vais faire une vraie bombe sucrée. Et ça ne peut pas être pour moi. Ça a l'air délicieux. Il est temps de goûter. J'adore. Donne-moi un goûter, s'il te plaît. Nous sommes des amis, tu te souviens? Cela ne change rien, non. Ah oui? Je vais devoir donner une leçon à cette fille gourmande. Elle ne partage jamais avec moi. Je vais ajouter du tabasco dans la fontaine et voir comment elle parle après ça. Je suis sûre qu'elle n'aimera pas le goût. Maintenant, je vais juste attendre. Je veux plus. C'était vraiment bon. C'est impossible de s'arrêter. T'aimes vraiment? Tu demandes encore, bien sûr que oui. Mais pourquoi est-ce qu'il fait si chaud? Toute ma bouche est en feu, j'ai besoin de mettre du chocolat dans mon épice de suite. Ah, je ne vais pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de brûler de plus en plus de choses chaque minute. Aidez-moi. Eh bien, elle a bu trop de chocolat au tabasco. Non, mais il faut l'éteindre. Oh non, il n'y avait pas d'autre solution. Mais cela n'a pas d'importance. L'important est que je me sente mieux. Juste un Twix. C'est si peu. C'est toujours mieux que rien. Je vais le manger au moins. On dirait que quelqu'un aurait vraiment faim. Oh, attention! Tu vas frapper en plein dans le front. Et je le referai si tu continues à m'embêter. J'ai pensé à quelque chose. Regardez ça. J'ai peur. Range-la si tout de suite. Détendez-vous, j'en ai besoin pour couper le Twix. Attention, les miettes volent dans toutes les directions. C'est ça, j'ai presque fini. Maintenant, il me reste plus qu'à faire une dernière coupe. Cela rendra le fait de manger une barre de chocolat tellement plus confortable. Tu nous as salis, regarde. Oh, je suis désolée, c'est sorti par accident. J'ai pas fait exprès. Regardez comme j'ai bien tourné. Je pense qu'il y a encore du chocolat. Il y avait 2 pièces et maintenant il y en a 10. C'est génial. Je ne veux pas être à court de Twix. C'est inévitable. Mais le côté positif, c'est que maintenant je peux prendre un goûter. Les emballages sont inutiles, nous devons les ranger tout de suite. Tu t'es bien débrouillé, toi. Merci. Maintenant, je peux te manger d'un coup et rien ne m'arrêtera. C'est tellement bon. Heureusement que j'ai encore tant de barres. Je sais. Mais pourquoi t'as besoin d'une bouteille pour bébé? Ah, et ma tête! Pourquoi tu continues à me jeter des choses dessus? Désolée, je devais juste faire du lait au chocolat. Je pense que ça a marché. Je suis sûre que le Twix sera un goût encore meilleur avec ça. Oh ouais! C'est une super combinaison. J'aimerais beaucoup l'essayer. Une autre fois. C'est mon tour maintenant. Je sais déjà quoi faire avec autant de chocolat. Je vais commencer par souffler tous les emballages. Waouh! On t'a fait tout ça? Génial! Maintenant, commençons à construire la forteresse! Pour cela, j'aurai besoin d'une spatule et d'un ciment sucré. C'est-à-dire d'une Nutella. Mon Dieu, ça sent tellement bon! Je suis sûre que la pâte serait un excellent complément en plus. Regardez comme on tient solidement des 12 briques ensemble. Il ne reste plus grand-chose. À la touche finale se trouve Aaron. Génial. Quel grand tour cela s'avère être. Il faut l'essayer. Oh non, qu'est-ce qui se passe avec ma tour? Qu'est-ce que vous faites? Ça a tombé. Arrêtez-vous là. Je vous ai dit. Oh non. Oups, on dirait que nous aurions dû l'écouter. Oh, vous allez avoir. Désolée, nous n'avons pas pu nous empêcher. Heureusement que je portais mon casque et je n'ai pas été blessée. Waouh, des yeux de marmelade. Je ne parlerai pas de ma part au pluriel. Il n'y a qu'un seul œil. Quelqu'un a encore la plus petite portion. Arrête de te moquer de moi. Oh, quel problème, c'était juste une blague. Tu n'aurais pas dû me le mettre sous le nez. Eh bien, je te revaudrai ça. Voyons si t'aimes cette farce. Je trouve que ça dort un peu la chair de poule. Et
que s'est-il passé? C'est Donnery! Quel cauchemar! Je ne peux pas le regarder! C'est effrayant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez jeté cet œil? Oups! Je crois que la farce était un peu trop. Aidez-moi, je m'étouffe. C'est l'heure du petit-déj. Ces bols de chocolat sont si bonnes. Mon Dieu! C'est l'œil! Heureusement que c'était une blague. J'ai déjà eu le temps de paniquer. En fait, les yeux sont délicieux. Vous allez les adorer. Dommage que je n'ai plus rien d'autre. Alors, c'est mon tour. J'espère que je l'aimerai aussi. Ah oui, c'est délicieux. J'adore la marmelade. Et où vont tes mains? C'est ma portion. Tous ces yeux sont à moi. Comme ils sont doux et sucrés, super. Juste comme j'aime. Tu veux pas partager après tout puisque t'en attends? Non. Oui, donne-nous juste un œil chacune, s'il te plaît. Je suis désolée, mais les mains restent plus. C'est trop tard. Je me sens un peu bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe avec mon visage? On dirait que quelqu'un a mangé. Quoi? Une seule chips? Regardez par ici. Vous avez déjà vu une centaine de paquets de chips. Je vois que quelqu'un n'a pas de chance. C'est sûr. Je ne peux même pas ramasser cette chips. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai besoin d'une loupe. Avec cela, je peux enfin manger. Oui, j'ai réussi à obtenir une chips. Je vais essayer de tirer le plaisir aussi loin que possible. Oui, je pense que c'est ça. C'est tellement rapide! C'est même dans le mieux. Maintenant, moi. Quel couvercle étrange! Je n'arrive pas à l'enlever. Allez, ouvre-toi! On dirait que quelqu'un m'a resté affamé. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais ouvrir le poids de toute façon. Regardez, je l'ai fait. Pourquoi tu l'as planté? Pour te montrer ce dont je suis capable. Waouh, cool! Cela mérite un certain respect. Bien sûr que oui. Je suis juste un maître pour manger des chips. Oh, ma tête! Tout est en train de flotter devant mes yeux. Oui, je suppose qu'elle a besoin d'un peu plus d'entraînement. Oui. Je vais la laisser reprendre ses esprits un peu pendant que je mange mes chips. Toi et moi sommes les meilleurs amis. Tu te souviens? Partage avec moi. Désolée. J'entends pas. Oh, je pense que c'est pas le bon moment. C'est tellement beau, je ne peux pas m'arrêter. Attention, t'as failli me frapper à nouveau. C'est ça, on ne peut pas continuer comme ça. Aïe, ça fait mal. J'ai une chance inouïe. Ne saute pas aux conclusions. C'est bien fait pour elle. Elle a eu ce qu'elle m'a aidé. Brocoli? Vous êtes sérieuse? J'ai une sorte de graine à la place du chou frisé. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Bon, je vais juste manger ça et finir avec ça. Oh, j'arrive pas à manger. Qu'est-ce que tu prépares? Je pense que nous devrions la mettre en terre. Arrête de nous jeter ça à la figure, arrête! J'ai besoin de creuser un trou plus profond, sinon la plante ne germera pas. Nous sommes tous dans le sol à cause de toi. Et mon grand, elle l'est aussi maintenant. Tu penses vraiment que quelque chose va sortir de tout ça? Nous le serons bien assez, Thomas. Attends, mange ton chou. Oh, ça sent juste dégoûtant. Je déteste les légumes. Ils sont si peu appétissants. C'est une bonne chose que j'ai pris la plus petite portion. Bon, j'ai besoin du coca tout de suite. Cela me fera du bien. Oh, donne-moi cette canette. Je dois arroser ma plante. Ça a besoin de l'humidité. Ça t'a aidé? Oui, ça a commencé à germer. Oh non! Cool! Goûte alors! Bon appétit! Voilà, je savais que ça finirait comme ça. Je regrette de n'avoir rien fait pousser. Je n'aime pas le brocoli. Oh, c'est même de goûter, regardez! Et t'es couverte de terre! Mais j'ai réussi! Maintenant, toi! Je pense que... Je sais comment manger tout ça.
Regardez, il y a un oiseau. La Russie fait quoi? Elles sont facilement trompées. Je ferai semblant de l'avoir mangé, mais je le jetterai tout simplement. Tu crois que tu peux me tromper? Pas du tout. Je vais tout attraper et le rapporter. C'est ça, j'ai presque fini. Il ne reste qu'une seule bouchée à manger. Et le reste? Je l'ai gardé spécialement pour toi. Ne me remercie pas. Eh bien, on dirait que mon plan a échoué. Oh non! Vas-y, mange, mange! Ne te laisse pas distraire. Les Skittles sont géniaux. Tout le monde n'a pas eu les grosses portions. Aussi triste que cela puisse paraître, je n'ai qu'un seul bonbon. Perdante! Celle qui rit a un dernier rire. Je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi t'as besoin d'un téléphone? Tu vas voir. J'ai juste agrandi un peu mes bonbons. Waouh! Je ne savais pas que c'était possible. Il y a toujours qu'un seul bonbon, mais il est si gros. Oh! J'aime tellement mieux comme ça! Bien joué! Oui, vas-y, c'est à toi. J'ai un super plan. Je vais attraper les bonbons avec ma bouche. T'as tout raté! Alors? T'inquiète, parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Arrête tout de suite, ce sont mes bonbons. Je vais manger moi-même. Avec quelle couleur je dois commencer? Il y en a tellement. Peut-être par là? Ou peut-être par là? Ah oui, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas encore, mais il est clair qu'elle prépare quelque chose. C'est notre gagnant-gagnant qui me dira quoi faire. Il y a des bonbons oranges à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste une chose. Maintenant, je sais quoi choisir. Je veux des bonbons à l'orange. Alors, le goût? T'aimes bien? Ouais, beaucoup. Maintenant, je me soucie pas du tout de l'ordre dans lequel je mange mes bonbons. Alors, peut-être je vais jouer aussi à la loterie? Wow! Regarde ce qu'il y a là-dedans. Wow! Ta sœur dit le ballon de la chance. J'ai tellement rêvé d'un énorme ballon et mon rêve est enfin devenu réalité. C'est super. Regardez, il y a beaucoup de bonbons à l'intérieur. Partageons tout ça amicalement, d'accord? Oui, c'est une excellente idée. Merci beaucoup. Miam.